À la requête du parquet fédéral et du ministère public du canton de Genève en Suisse, la police lui demande de diffuser l'avis suivant. Le mercredi 28 février 2024 en Suisse, et plus précisément à Genève, un vol avec violence a été commis par 4 individus sur le site de l'aéroport international. Vers 14h, une Peugeot 308 blanche immatriculée en Belgique B4560 fait son apparition sur le site de l'aéroport. Elle est aperçue à plusieurs reprises dans les différents parkings. Vers 15h, elle est filmée dans le parking P2 courte durée, alors qu'un individu portant un imper s'approche de la Peugeot et ouvre la portière. Puis il devance la voiture, immédiatement suivi par les deux passagers. La Peugeot démarre et bloque la route du taxi qui le suivait. Les 3 individus brisent le pare-brise arrière du taxi et neutralisent les occupants avec une bombe lacrymogène. Ils quittent les lieux en emportant 2 valises bleues contenant des montres et des bijoux pour une valeur estimée à plusieurs millions de francs suisses. Le premier auteur pourrait être âgé d'une 30aine d'années. De taille et de corpulence moyenne, il a la peau légèrement basanée et les cheveux noirs et lisses. Au moment des faits, il était vêtu d'un pantalon noir, d'une veste trois quarts beige munie d'une capuche et de baskets noires à semelle blanche. Le deuxième auteur est particulièrement grand et de corpulence athlétique. Il pourrait également être âgé dans la 30aine. Il a la peau claire et semble mal rasé ou porteur d'une barbe de quelques jours. Il pourrait avoir un nez proéminent. Au moment des faits, il était vêtu de vêtements foncés et portait une casquette foncée. Le troisième auteur est aussi âgé d'une 30aine d'années. De taille et de corpulence moyenne, il aurait la peau claire. Au moment des faits, il était vêtu d'une veste bicolore, beige clair en bas et plus foncée au-dessus. Aucune description n'a pu être établie du chauffeur de la Peugeot 308. La voiture utilisée était donc une Peugeot 308 de phase 1 de couleur blanche avec un capot et une calandre modifiée provenant d'une GT Line. Sur cette voiture était apposée l'immatriculation belge B4560 volée par un individu de grande taille, de corpulence athlétique et à la peau claire. Il portait alors une casquette bleue à l'arrière, blanc à l'avant avec l'inscription Motors Racing Team et une visière rouge. Il portait également un pull à capuche noir avec un motif dans le dos, un jeans bleu et des baskets noires et rouges. À un autre moment, il portait une veste doudoune matelassée noire avec une capuche blanche. Si vous reconnaissez ces différents individus ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via l'adresse mail avis de recherche @police.belgium.eu.